L'année dernière, il y a eu 14 spectacles qui ont démarré en 2016. Et il y en a un qui revient à la rentrée 2017 et dans une plus grande salle que le Comédia. C'est un été 44 et ce sera aux Folies Bergères. Donc c'est pas du tout la fin, c'est que même que le début. C'est vraiment un esprit de famille. Et moi, je tenais beaucoup à ça au début, avant que ça démarre, de fabriquer cette espèce d'union de cœur. Parce que je savais qu'avec ça, on pouvait aller très loin. Je suis heureux de voir que même entre les spectacles, même après, il y a toujours cette union de cœur qui reste. Et ça, pour moi, c'est ma plus belle récompense. Depuis le 6 juin 2016, en Normandie, où on a senti qu'il y avait eu un vrai team été 44, quoi. Et que ça allait des chanteurs-comédiens jusqu'aux techniciens, où tout le monde a été vraiment marqué par ce spectacle. Les murs du Comédia, on quitte pas le spectacle, donc je sais que on va se manquer parce qu'on se revoit qu'au mois de juin et surtout au mois de septembre, donc ça va être long. C'était vraiment chouette, on a été super bien accueillis et ça va rester notre première fois, donc on l'oubliera jamais. Quando ti ho visto l'altra volta, tu sei tornata. Et à questo giorno ti penso. On sourit parce qu'on voit tout le monde, mais à l'intérieur, c'est une page qui se referme, donc c'est sûr que c'est très triste. Après, c'est pour en ouvrir une autre aussi. Ce qui va me manquer le plus, moi, c'est de la vie avec la troupe. Et puis aussi tous ces petits rituels qui font que tu rentres dans ton rôle, que tu, petit à petit, tu quittes un peu ta vie de tous les jours. J'ai la place, c'est pas ce qu'on m'a dit. Sont les visages des filles Normandie. Y aller. Mais dans les pages, chez vous ce soir. Sauvez-vous, je passe devant. Il y a une certaine émotion quand même. Je pense qu'à la fin du show, on va tous être assez tristes. On aime bien ce lieu. On était bien à l'aise ici. Hein. C'était un peu notre chez nous. Mais c'est la fin pour un renouveau. Bon allez les gars, on va aller se maquiller. Dernier make-up. De lui flottait sur l'eau, René Thibault. Mes amis vont beaucoup me manquer, c'est tout, c'est l'ambiance, c'est Jessie qui est trop mignonne quand elle arrive, c'est triste, on est triste un peu. Mais c'est cool, on se revoit bientôt, mais on est un peu triste. Pendant 4 mois, on a vu une salle debout tous les soirs et c'est quelque chose qui est finalement assez rare. Il y a eu une constance à ce niveau-là et tous les soirs, les premiers rangs étaient en larmes et debout. Donc je crois que finalement c'est ça qui m'a marqué le plus dans le spectacle. Le rang derrière où il y a Eric Benzi et Valérie là, on vous voit pas. 1, 2, 3.